Déstockage Games. Salut à tous et bienvenue à cette présentation de ce Revolver Scofield en version 6 pouces distribué par ASG. Ce dernier est livré dans une belle boîte, très riche en informations et surmonté d'un beau visuel de la réplique. À l'intérieur, on retrouve un manuel en anglais, français et espagnol. On y retrouvera surtout les principales étapes illustrées pour utiliser la réplique, la liste de quelques accessoires et ses données techniques. Protégé sous une légère protection en papier bulle, on retrouve la réplique de Scofield. À l'intérieur, on dispose de 6 douilles spécifiques à celle-ci. Cette réplique de Scofield 6 pouces est fabriquée par Wingun et elle est en grande majorité composé de métal pour la plupart de ses éléments. Seules les plaquettes de cross sont en plastique. La plupart des marquages sont peints, sauf ceux présents de chaque côté de la cross. La sûreté est assurée par un levier à l'arrière du marteau. En position poussée vers ce dernier, on ne pourra pas le bouger, interdisant le tir. À propos du marteau, sachez que cette réplique est une simple action et que par conséquent, il faudra armer manuellement ce dernier à chaque tir. Il sera possible d'annuler un tir en retenant le marteau et en appuyant sur la queue de détente. On accompagnera alors doucement le marteau en position de repos. Les organes de visée sont fixes et des plus simples. À l'extrémité du canon externe, on aperçoit le canon interne. L'organe de visée arrière fait office de levier pour ouvrir la réplique et accéder au barillet. On pourra alors procéder au chargement des douilles qui contiennent chacune une bille, avant de refermer la réplique. L'extraction des douilles en fin de tir est assistée lorsque l'on bascule le canon complètement. Les douilles sont poussées hors du barillet. Pour charger une douille, il suffit de placer une unique bille à l'intérieur de la lèvre en caoutchouc. Cette dernière sera alors retenue à l'intérieur, pas de risque de chute. Pour charger une nouvelle cartouche de CO2, il faudra retirer une plaquette de cross en tirant au niveau de l'encoche inférieure. Cette dernière dispose d'une clé Allen intégrée permettant de visser ou dévisser le pas de vis qui retient la cartouche. L'installation de cette dernière est donc très rapide. Il ne reste plus qu'à réinstaller très simplement la plaquette. Avec les cartouches d'origine, la puissance de sortie est trop importante pour utiliser cette réplique dans la plupart des associations françaises. AEG a prévu de sortir des douilles de basse puissance pour cette réplique dans le futur. En attendant, Gauthier de Déstockage Games m'a partagé deux techniques pour adapter des douilles basse puissance AEG pour Dan Wesson. Cette première méthode est irréversible. Il faudra découper très méticuleusement les lèvres des douilles Dan Wesson aux proportions du Scofield. Personnellement, je préfère la seconde, qui est plus simple et réversible.
Prenez donc une douille de Scofield à gauche de l'image et une douille basse puissance d'Ann Wesson à droite. Retirez sur chacune des deux douilles la lèvre en caoutchouc en tirant avec précaution. Dans la lèvre de douille d'Ann Wesson, récupérez la valve de bridage métallique. Puis installez-la de la même façon, en respectant le même sens, dans la lèvre de douille du Scofield. Vous n'avez plus qu'à réinstaller cette dernière dans l'étui de douille du Scofield et à recommencer l'opération pour l'ensemble des douilles. On obtient alors des résultats de puissance beaucoup plus acceptables. Au final, AEG nous propose ici un revolver Scofield 6 pouces d'une très belle qualité. La finition est très belle et la manipulation reste simple. Les performances de tir restent très bonnes, même avec un hop-up fixe. Dommage qu'en standard on ne puisse pas aller sur le terrain avec, mais des solutions simples existent pour y remédier. Cette réplique ravira donc les collectionneurs de répliques anciennes, mais aussi les joueurs qui rechercheraient une nouvelle façon d'aborder le tir pour un prix qui reste assez raisonnable. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, un très grand merci à mon partenaire Destockage Games qui me permet de vous proposer cette dernière en mettant à disposition cet exemplaire de test. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.